Salut à tous, c'est Monsieur Magic Arena FR, comment ça va fou Ça va très très bien et toi Ça va toujours très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une decklist historique. Ça y est, il y a Kadesh qu qui est sorti, ça régale. Enfin maintenant, quand vous voyez cette vidéo, ça fait un moment que c'est sorti. Mais le temps, voilà, que vous voyez les petites vidéos que vous avez préparées, petit top commandant, gens et tout, on arrive, on a du lourd, du très très lourd. Ça c'est une liste qui a été confectionnée par Valence Rim, si je ne dis pas euh, de bêtises. Yep. Ouais ouais, alors après je me suis balancing. aussi un des retours qu'il y a eu sur Perf et tout mais ouais, on a on a débuté ça euh, et ben le, le vendredi matin le lendemain de, de la sortie de Kaladesh Ouf. Alors pour le coup, ce qui était assez simple avec cette liste-là, c'est qu'elle existait déjà en standard. Donc on avait déjà beaucoup de d'outils pour euh, adapter la liste en historique. Euh, elle n'est pas elle n'est pas née de mon esprit, c'est une adaptation ouais. au format historique d'une liste qui existait déjà en standard. Yep, c'était une liste Témur Energy, c'est ça. Exactement, Tamur Energy, les listes qui ont gagné le Pro Tour à Monquette, il y en avait plusieurs dans le top 8 et ça a été banni juste après. Et franchement, c'est très très drôle à jouer. Ok, euh, alors avant de parler un peu plus en avant de la decklist, merci beaucoup à notre sponsor, Playing by Magic Bazaar. Lien dans la description si vous voulez euh, checker un petit peu ce qu'il y a sur leur boutique et utiliser le code VALEPL2020. Qu'est-ce que ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Les points de fidélité, c'est au bout de 150, vous avez 5 euros de bon achat à valoir sur tout, que vous utilisez quand vous voulez. Ça régale, vous pouvez même les cumuler, donc ça, ça fait plaisir. Euh, merci à tous ceux qui ont utilisé le code, qui l'utiliseront, c'est nous soutiens. Et code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Games Store, c'est cadeau. Si vous faites un achat sur la boutique Epic Games Store avec notre code actif, ça ne vous débloque rien, mais nous, ça nous donne un petit pourcentage complètement cadeau. Et ça, ça fait plaisir. Exactement, merci à tous. Qu'est-ce que euh, c'est que la mécanique énergie Val Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, qui ne connaissaient pas. Ouais, alors la mécanique des énergies, c'était une mécanique qui était présente au tout début sur Magic Arena, avant qu'il y ait les resets de compte et avant qu'Aladesh ne parte euh, de Magic Arena. En gros, quand une carte arrive sur le champ de bataille, elle peut vous faire gagner un certain nombre d'énergie. Donc, ça va se stacker à côté de votre avatar. Vous allez avoir un, deux ou trois énergies, comme le donne le Virtuose des Voltigeurs. Et en fait, après, vous avez des effets qui vous permettent de dépenser de l'énergie, comme du mana, mais de l'énergie. Pour créer d'autres effets. Typiquement, ce virtuose des Voltigeurs, quand il arrive sur le champ de bataille, il vous donne 3 énergies. Si vous voulez dépenser 3 énergies pour créer un token 1 un, un Color, avec un Opter Vol, vous pouvez le faire. À tout moment, même pendant le tour de votre adversaire, c'est un effet euh, qu'on peut dépenser en instantané si c'est pas précisé. Yep et euh, le but de ce deck là c'est de tourner autour de la carte pompe euh... oh, la pompe. Voilà, ça été, pompe éthérique modèle qu'on appelle en anglais Aetherworks Marvel et donc du coup qui est euh, une carte emblématique parce qu'elle a été bannie à l'époque en standard parce qu'elle était trop puissante, je vous lis l'effet de la carte à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez est mis dans un cimetière vous gagnez une énergie, si vous l'engagez et que vous dépensez six énergies vous regardez les six cartes du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez lancer un sort parmi elles sans payer son coup de mana mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire donc en gros, quand vous payez 6 énergies, vous pouvez garder les 6 cartes du dessus de votre pack et jouer n'importe laquelle. Ça ne la met pas en jeu, ça la joue. Et ça c'est très important, ça vous permet de jouer des Ulamog ou des Ugin. Et quand vous jouez des Ulamog, et ben vous pouvez exiler deux lands à votre adversaire. Et donc voilà, tout le deck va essayer d'accumuler de l'énergie pour pouvoir jouer la pompe éthérique modèle, l'engager, essayer de jouer un Ulamog et gagner la partie comme ça. Exact, parce qu'il y a des bons pâtés qu'on a envie de caster avec cette pompe éthérique, notamment le Huguin et Ulamog. Exactement. Oh, Nissos, c'est pas déconnant non plus à, à trouver. Ben, c'est exactement ça, Nissa en fait elle fait l'espèce de transition Parce que l'équilibre il est difficile à trouver Entre le nombre de cartes que tu veux trouver sur ta pompe Pour qu'elle soit puissante Et le nombre de cartes qui te font accumuler de l'énergie en début de partie Pour que ta pompe tu puisses l'activer rapidement Et ben il faut aussi des cartes un peu qui font le lien de tout ça Et, euh, et Nissa elle fait, elle fait le lien encore une fois C'est à la fois le ramp et le payoff comme c'était en standard C'est à dire que c'est une bonne carte à trouver sur ta pompe Et en même temps c'est elle qui va te permettre de caster ton Unamog Si t'as pas ta pompe avant Exact. Donc, euh, donc, Nissa, elle est naturellement bien dans le build là. On joue des euros parce que dans les couleurs simiques, on peut pas se passer d'une si bonne carte. Elle permet de battre les jeux agro et de tenir, d'accélérer. Et après, on joue plein de cartes qui synergisent avec l'énergie, comme l'harmonie avec les terres pour fixer nos couleurs. Ça nous permet aussi de jouer un petit peu moins de terrain. On va jouer les, euh, je n'ai plus le nom de la carte rouge en français, éclair maîtrisé, qui vont permettre de générer de l'énergie ou alors de tuer des bêtes. Et ça peut tuer de très grosses bêtes, donc c'est une très très bonne carte. On a le casse-tête tisseur de bois, qui vous apparaîtra peut-être comme étant une mauvaise carte, mais qui est clé dans l'archétype, parce qu'en fait, quand votre, votre pompe n'a plus d'énergie, cette carte à elle toute seule redonne 6 énergies. Naturellement, si vous la faites tour 2, que vous la sacrifiez tour 3, que vous faites pompe tour 4, vous avez 6 énergies. Et ça, c'est bien. Donc voilà, c'est vraiment un activateur, ce qu'on appelle un enabler, et on en a vraiment besoin. Et pareil, après Virtuose et Gredin Raffineur, on en avait parlé de Gredin Raffineur dans le top, on vous disait, si la mécanique énergie est jouable, on jouera le Gredin. Bah, la mécanique énergie, elle est jouable. Moi, j'ai beaucoup joué le deck, ce deck-là, c'est pas pété. Aetherworks euh, Marvel ne sera pas banni, à mon avis, mais ça reste très très rigolo. Et donc voilà, après, on a plein de cartes qui synergisent avec l'énergie ou alors des bonnes cartes de deck mid-range euh, mid contrôle euh, classique. Quoi. Yep. Il faut savoir aussi que Pompéteric Modèle, ça se fait euh, disrupter par Cache du Fossoyeur, qui est la carte de side la plus jouée euh, bah de, du format historique. Hein. Donc pour, pour gérer ces, ces petites cages, on a des fissurations et des flétrissures en side. Euh, qui sont juste là. Est-ce que tu nous en parles un petit peu plus de ce side Rapidou Ouais, on a les lanternes Guidam, c'est contre Ragdos Sarkaniste euh, et tous les euh, plans de jeu qui veulent jouer avec le cimetière, qui sont un peu légers en historique mmh. On a Botte dédaigneuse, c'est parce que ça permet de, de contrer les pompes éthériques modèles de votre adversaire, mais aussi les Muxus, donc c'est une carte qui, euh, qui a une range de... Euh, vous allez pouvoir la rentrer dans plusieurs match up et elle sera vraiment euh, importante parce que dans les miroirs de pompe, donc dans les miroirs de Marvel, je vais dire le nom anglais, c'est plus simple. Euh, bah, c'est quand même important de. de... Parce qu'en fait, même si vous pouvez tuer la pompe, si l'adversaire a 6 énergies, la kappa sera quand même en pile et vous ne pourrez rien y faire. Donc il faut vraiment la contrer ou alors faire pompe avant votre adversaire. Et le problème, c'est qu'après ça, il, bah, il va y avoir un petit plan de jeu de qui va jouer la pompe en premier et se la faire contrer pour passer sa propre pompe. Et du coup, on a besoin d'avoir des contres comme cette négation et ces bottes dédaigneuses. Mais je voulais aussi pouvoir dire non à Muxus qui reste un gros prédateur du format. On a les fissurations, bah c'est pour pouvoir casser les cages et dans les match-ups agressifs, c'est un anti-bat supplémentaire. Super les fureurs des dieux, parce qu'il y a trop de petites bébêtes, enfin euh, en fait tu peux perdre trop rapidement euh, sur des mm. sorties un peu power, des mono noirs ou des versions véhicules. Ouais. Mono -noir, et gros, est de pas du tout pour battre les jeux contrôle. Comment mm. Mon noir agro, il déteste fureur des dieux. Hein. Ça exile en plus. Ouais, c est c est bête Et il y a plein d'autres decks comme ça qui vont essayer de swarm le board. Je pense à, bah, ça peut être contre Goblin ça peut être contre Monored C'est vraiment important d'avoir ces fureurs des dieux. Et Écrasis hydroid c'est un ajout que j'ai vu notamment sur le discord perf, qui est, qui est plutôt bien pensé. Ça permet de, de se battre contre les jeux contrôle, parce qu'un des plus mauvais match-ups que j'ai avec ce deck là, c'est les blancs bleus contrôle, très très contrôle, avec plein de contre. Ouais bah oui, c'est vrai que ça doit être, enfin t'as pas de grande menace en début de partie et la pompe elle ouais, ne résout jamais ça. donc. Et s'il arrive à tenir en respect ton Uro, bah t'as un petit peu de mal à grinder euh, et t'as un peu de mal des fois à accumuler tes 10 mana pour jouer ton ilamog mm. donc Radice Hydroid, c'est un outil supplémentaire donc voilà euh, petite liste moi j'ai pris un max de plaisir à jouer ça et je suis content parce que c'est pas pété tu vois. Et Il y avait des bien. gens qui avaient peur que ça soit ban et compagnie bon on n'est pas on n'est pas sur ce on n'en est pas là pour l'instant. Est-ce qu'on part pas directement? Euh... Yes. Sur le leader pendant que j'ai replacé ta cool. caméra afin de ne pas gêner les terrains. Exactement. Donc voilà. et Toi, je, je crois que tu n'as pas encore joué une pompe euh, dans le format TL. De ma vie. Bah, tu vas voir, c'est quand même fort drôle hein, je, je laisse ça au Shadoc les pompes. ah, ben ça marche. J'ai pas la rêve mais why not. T'as pas la rêve des Shadoc Non. C'est un vieux dessin animé où euh, il y avait des ah, petits bah, bonhommes bâtons. J'ai pas la rêve de la pompe. Et ben en fait c'est ils font ça toute la journée, ils pompent. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah oui, mais je, je vois l'image, d'accord, c'est bon, je, je remets. Demian86, 95%. On est 619. On va essayer de passer dans le top 3 dans cette vidéo. Ouais, bon, il va falloir gagner beaucoup de games. Hein. J'ai pas dit qu'on allait y arriver, j'ai dit on va essayer. Hop là. Euh, c'est une, on une est dans le Un peu chiant, où on a nos Ulamog en main et on les veut pas en main. Ouais, on en a un. Après, on a Harmony dans Virtuose. Non, Je sais pas à quel point il faut mulligan, mais moi je trouve que la main a l'air correcte. Non, je vais, je vais la garder, mais disons que Nissa c'est un peu cher et Ulamog, tu les veux vraiment pas en main, sachant qu'avant j'en avais 4 dans le deck, et là pour, pour les besoins de la vidéo, j'ai voulu jouer des Chandras pour montrer la nouvelle carte. Ouais. Du coup, il y a un qu'on en a pâti. Sinon, et... on peut ouais, hard mulligan, hein. c'est pas nous deck, qui commençons. Les... Sont pas très puissante quoi. D'accord. Non, on peut la garder, mais, mais c'est discutable. Nickel. C'est pas plaisir ça. Non, bah le, le deck est assez sensible à saisir des pensées. et C'est notamment parce que Saisir est dans le format que, que cette carte, la works Marvel, est pas si problématique pour le coup. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des, quand même des games où tu fais juste euh, Harmonie de l'Ether. Euh, la carte qui s'appelle Puzzle de je sais pas quoi, Pompe tes 4 dans Ulamog, je t'exile de l'Ange, j'ai gagné. Ça paraît être un peu no brain, mais il y a beaucoup de cartes qui, euh, qui checkent bien ça, qui tiennent bien ça en respect. Une petite île Petite île, on a bien trouvé cette pompe qui s'est cachée de la saisie. Ouais, ça c'est cool. Mais on n'a plus de moyens de générer de l'énergie. Ça va venir. Ouais, tu peux l'en tape. J'hésitais à passage merveilleux potentiellement. Tu vois, typiquement, si on commence à se faire agresser, euh, on, va pas, on va pas survivre longtemps là. Ah bah ouais, on va vite mourir. Ah bah nickel. Ah bah, on va juste vivre en fait. Tu vas pouvoir tuer ce parasite. Ouais. Ce qui est assez drôle ici, euh, c'est qu'il a mis en place un. Donc là, tu payes 3 énergies. Il a mis en place un truc où il peut à la fois rejouer son parasite, et à la fois rejouer son étreinte, mais nous, on gagne juste du temps. Ouais, euh, parasite, il peut pas encore, mais euh... pour l'instant. Il Ouh il ouais. ouais. ouf oh là, là, là. Mais Attends, mais ils sont, <laughs> ils sont tellement méchants, gros. C'est insane. Euh, ouais, bah tu vas fetch passe, pense. Attends, non, tu peux juste développer pompe, en fait. Tu peux fetch pompe. Hein. Ouais. Ça la cache d'une discarde. C'est pas mal ça. Ouais. Cherchez vert. Euh, oui, 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 parce que t'as Nissa. C'est mieux. Et que Nissa dans Ulamog, ça reste un plan de jeu. Allez. C'est le tour d'après. On y croit. Cet Obliterateur est un peu. oblitérant. Ah bah il est en train de nous défoncer littéralement. Après on a deux tours pour faire Nissa Ulamog. Euh... On a plus de tours. En fait, c'est okay. plus euh, mono noir gros, c'est euh, mono noir Ah. Ah putain, t'es un mana off pour activer ta pompe. Non, c'est bon. Ah oui, avec le fetch. Oh, génial. Génial, Harry. Vas-y, vas-y, bah ah, fais putain. Putain, ah non, mais là, je là, ça buggait. Je... Je... Ah, tu t'as perdu donc Huguin, il a Pas à cliquer. Oh, je vais faire une énergie de plus. Ouais, ça synergise très bien la pompe à la fois avec les fetches, ça marche très bien avec Uro aussi, qui en se sacrifiant génère une énergie. Il y a plein de... Ah bah j'ai déjà 6 sans, sans sacrifier. Ouais, tu peux juste faire 6 en fait, du coup. La mog. Voilà. Et la mog, c'est bien, non Ouais bah c'est mieux que tout. Ah oui, parce que tu le casses en plus. Allez, ça. Et ça. Et ça. Allez, zou Et voilà, et là tu viens de gagner la partie. C'est un bon jeu oh. <laughs> Qu'est-ce qui est bien ce mec <laughs> <laughs> Allez, terminer. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Je savais que ça te plairait. Et là, il fait une petite pause, il se dit, bon, c'est pas agréable. Ah, il a encore un plan. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'avec ce casse-tête, tu gagnes des PV aussi, donc ça tient très très bien l'agression. Après, là, je sais pas pourquoi il continue à jouer, il est vraiment très ambitieux. Ah, il a un plan de jeu. Là, tu vas sacrifier ton casse-tête. Mmh. Ça va rajouter 4 énergies parce que tu auras le sacrifice en plus. Oh, c'est formidable ça. Et là, si t'as le moins de... générateur d'énergie tu peux refaire un coup de pompe je vais en sachant que les un, coups de pompe là. tu peux les faire en éphémère mais comme on a des huggins voilà. on les fait en rituel bon bah tu peux faire un coup de pompe avec ton gredin et zou je suis sûr que je suis en train de te convertir à ce jeu là mec c'est fou j'adore oh. les coups de pompe zou je trie un peu plus vas -y, vas -y, parce qu'ils aura du peu prends un rouge parce qu'on a des chandras ouais. Ah! Bon. Zou. ah Alors tu peux piocher 1000 ou aller chercher une bonne carte avec symbiose. Euh, le problème c'est que. Ouais, bah, je crois que vaut mieux piocher là. Tu peux régénérer de l'énergie aussi pour être. Non, c'est pas très bien. Ouais, tu peux piocher 3 si tu veux. Piocher 4. C'est plus 1? Non, c'est 3. Ah non plus une, ok c'est 4, t'as raison. Oh lourd, qu'on peut pas jouer. Allez vas-y bourre-moi ce, ce malotru. Oh putain c'est exilé. Faudrait pas qu'il arrive à nous mettre les 5 derniers points là, on serait quand même bien euh, mal acquis. Il a pas de quoi faire double étreinte démoniaque. Normalement ça va aller, mais je me méfie quand même. Franchement en historique les gens sont vraiment méchants. Dans tous les cas moi ça m'a régalé, donc même si on perd je m'en fous. Ouais ça va. Ah ça ça bloque pas. Ouais, bon, il est extrêmement gentil en fait. J'ai l'impression que je peux faire ça là. Il a combien de cartes dans le cimetière, euh, dans son deck euh, ah Mais non, euh... mais du coup là on peut mourir. Hein. Ah non non c'est bon, mais ça bloque peut pas. pas je suis con putain pardon. Alors parce que s'il bloqué on n'était pas frais en vrai. Alors non ça. J'ai l'impression que fissuration c'est bien. Ouais, t'es obligé parce qu'il va te rentrer des cages. En fait, dans quasiment tous les match qui peuvent rentrer des cages, c'est-à-dire qui n'ont pas des effets eux aussi qui font jouer des cartes de la bibliothèque, t'es obligé de rentrer fissuration, ne serait-ce que par respect ouais. à la cage. Fureur des dieux, c'est bien aussi. Ouais. Flétrissure, je veux ou pas Non, je pense pas. Je pense que fissuration devrait suffire. Et lanterne, c'est possible que t'en veuilles, ouais. Ah, il faut déjà retirer cette carte avant l'anterne. Tu vas enlever les lueurs de génie. Tu vas enlever probablement les virtuoses. Les volti virtuoses Voltigeurs. Parce qu'il faut forcément faire un peu de place. Chandra, peut-être, non euh, C'est vrai que Chandra sur la c'est pas très bien. Hein. Je suis d'accord. Et. Ouais, j'enlèverais peut-être un éclair maîtrisé, mais pas, pas bien plus, quoi. Ah, tu peux enlever Nissa, cela dit, pardon. Ouais, j'allais dire Uro, sinon, si on sait qu'il va rentrer des cages, c'est moins fort Uro. Ouais, mais, mais Uro, c'est quand même trop bien pour gagner des pèves et temporiser le début de partie. Okay. Ni ça, et est-ce qu'on vote de cache du coup Je crois pas, vote de lanterne Lanterne ça va lui enlever les scrapheap scroungers Ça peut lui enlever aussi, c'est quand même pas mal hein. Genre on a vu que Là il avait pas forcément beaucoup moyen De les ramener de suite hein. J'ai pas l'impression game a assez exile. Non c'est peut-être suffisant Ouais ok, vas-y Bon on sent que bon le, le... On joue le deck depuis euh, Depuis quoi, 2-3 jours Donc c'est pas encore parfait au niveau des tables de side hein. Ah bah moi ça fait 5 minutes Donc euh... Oh c'est bien bah ça. Bah c'est parfait, écoute. Hein. Tu vas chercher un verre et, et on va jouer casse-tête quoi. Ah bah non, tu veux vas chercher, pas chercher quoi verre oh, rouge, Tu vas juste jouer tes cartes dans l'ordre. Ah oh, tu peux faire de chez rouge si tu préfères là ouais. ouais. C'est pas bête. Ça nous permettra d'avoir fissuration. Crois, oh, on va pouvoir fissurer. D'ailleurs, on dit fissurationné. Quand à la base. Je sais pas ce qu'on dit, mais tu dis ce que tu veux. N'est pas de saisie. Ils ont toujours une saisie. Hein. Franchement, c'est leur plan de jeu. Game 1, ouais, mais game 2, euh, elle se cache. Tu vois Ouais, je crois qu'il va falloir te faire à l'idée que, que cette pompe, elle va pas rester bien longtemps. Rouge. Euh, rouge. Blouge. Là tu fais casse-tête. Euh, je fais casse-tête parce que sinon je peux l'andessa engager pour faire ça ton prochain. Moi ouais, tu pourras le faire dégager, c'est pas grave. C'est bi bien de faire casse-tête, Ouais remarque, ça. je gagne. Euh... Ouais ce que tu gagnes, enfin que tu perds, tu le regagneras. C'est euh... vrai qu'il y a les 3 PF, j'oublie. Pour moi c'est juste... Et là 6 il est dans mais... un spot où s'il si, si a saisi, il ne sait pas s'il faut enlever Fureur des dieux ou, ou la pompe. Ouais. Là, alors, je crois tu peux que... décider de d'encaisser et de faire pompe le tour d'après, mais tu perds si tu fais une proute, un proute. Ou alors ah, tu je peux quand même un des dieux. c'est oh, -ce en, en fait, il y, y a un spot aussi qui te permet de faire. Euh... Non, en fait, je sais pas. Je sais pas ce que c'est quoi le mieux. C'est gros engeance du chaos quand même. Hein. Ouais, j'ai l'impression que là, euh, prendre un coup, c'est un peu trop cher. Euh, je crois qu'il faut fureur en fait. Ouais, je crois qu'il faut que tu fureurs, ouais. Ah, mais attends, 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 cette fureur, en fait, elle te coûte 3 pèves là en plus. Ouais. ouais. Non, je crois qu'il faut prendre le, le plan casse-tête là, non On, on le prend, prend en combien 7, 8, 9, on regagne 3. On peut pomper. Ouais, vas-y, vas-y, tente, tente un coup de pompe là. Franchement, il nous a mis trop mal avec son. Bon, tu peux rester up, hein. Ouais, je peux, le, peux faire le faire en, fin, en euh, centre, Ouais, ouais. Comme ça, si remet plus de bord, tu pourras fureur le tour d'après et t'auras pompé au préalable. C'est tellement insane, engeance du chaos. Putain, ça va Dans ce tellement vite. Ok, ça c'est bah, pas grave. En vrai, c'est fureur des dieux ou pompe. Hein. Ouais. Est-ce qu'il est joueur? Je crois qu'il est pas joueur. Je crois qu'il va t'enlever la pompe. Ah cette engeance qui a réduit nos plans à néant, c'est très. Euh, ah euh, il est frustrant. joueur. Ah il est joueur. Ok. Ça tombe et il peut avoir aussi. double saisie aussi. Ah il met tout. Donc là, en fait, je sais pas si la mog te sauve. Faut que tu prennes tes pèves. Allons-y. On est joueurs, nous ou pas Bah, façon on fait quoi là Si. Euh... Je peux pas tuer engence, donc. Euh... Ah, ouais, non. Euh... Ah, oui, non, tu perds avec le ping d'engence, parce que sinon, on prenait quitte. Qu non, ah, bah, ouais. ouais, tu pompes. Hein. Tu pompes et on chatte. Allez, pompon. J'adore. Allez Allez, la pompe Ah. Quoi euh, ça, ça te montre que les cartes que tu peux jouer ah, ok j'enlève ouais. les landes. Euh, si tu fais ça, ça peut te donner accès à Euro, mais on est mort. 4, 5, 6. Bah, je crois que c'est Symbiose ou rien là. Ouais, je crois. Hein. Vas-y. Tu peux avoir un gros Rogue Refiner ou alors tu peux avoir un Euro, mais qui va dégager pour le coup. 12. Attends, on est mort il, il propose combien là euh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bah, on 17. est mort quoi qu'il advienne, tu peux qu'on On prend 17 le gros eh ben gredin Ah la saisie qui fait qui fait pas plaisir. Ouais, bah, c'est plus son euh, comment il s'appelle. Son. son, son et je veux bien des chandras à moi hein, pour pouvoir dire non à son à son gros port là. Hein. Maintenant ouais. Euh... Et et je sais pas s'il a cage en fait, moi j'enlèverais bien une fissuration parce que s'il joue des scrappy scrounger il a pas trop envie d'avoir des cages. Je pense qu'il essaye de passer juste par saisie. Ouais. J'en laisse deux au cas où. Ouais, quand même, parce que dans tous les cas, c'est une interaction, c'est ok. Et on pourra enlever une fureur des dieux au vu de ce qu'il nous a montré, mais. Allez. Vas-y. Tantons. Bah ouais, tous les plans de jeu un peu trop proactifs <laughs> avec des saisies, euh, c'est un peu compliqué. Jouons en premier. Ouais c'est cool. C'est pas mal ouais. Ouais c'est bien. Par contre, ce qui est trop bien avec ce deck là, c'est qu'il a le mérite de très bien battre un des meilleurs decks du format qui est Sultai Cochon. Je crois que. Ouais tu ouais, tape, je pense. Je vais lancer ça tape. Et voyons voir. Ouais, juste le fait que t'es euro c'est et ça me rassure un peu déjà. Je me sens Pff, ok. Ouais, on est ça mieux. va aller. Euh, ouais, bah tu restes fissuration, up je pense. Alors, si je veux Urolandé, il faut que je mette euh, symbiose là. Mmh, si tu veux Urolandé, est-ce qu'on veut Urolandé Parce que là, t'as quand même envie de pouvoir commencer à gérer son board pour pas prendre trop cher. Ouais, je crois que je préfère juste forêt en fait. Ouais, sachant que tu peux trouver un land aussi sur ta draw. Ouais, le but c'est pas de ramper, c'est surtout de faire gagner les 3P et de piocher la carte Ouais c'est ça exactement Ah tu peux ramper, tu peux passer de 3 à 5 et jouer une Nissa, il y a des plans de jeu où ça suffira mais J'ai bien envie de casser ça là ah, J'attendrai quand même de voir ce qu'ils nous proposent moi Ok Au pire tu prends 2 mais c'est pas très grave Ok, bon je vais, tuer, je vais ça Je ça du coup Et là, je crois que si on veut pas se prendre en gens, je vais euh, plutôt land tap et éclair maîtriser quand il attaque. Euh, parce que si on se prend en gens, on peut pas le gérer à cause de l'éclair maîtrisé qui fait que 3. Pour l'instant, ouais. Ok, donc bassin d'élevage. Ah non, euh, symbiose tap. Ok, ça me va. Je pense, hein. Non t'as raison t'as raison le poids de l'engeance quand même c'est fou. Zou et on dépensé une seule énergie. Ouais. Cette carte là en fin de game des fois t'as 20 énergies tu tues vraiment n'importe quoi. D'ailleurs on aurait dû d'ailleurs euh, plutôt poser bassin d'élevage taper. Ça mmh. nous aurait évité de prendre deux ici. Ce qui est pas horrible hein, mais bon là t'es obligé du roi. Euh, ouais j'y vais là. Une petite interaction, ça serait pas mal. Ça c'est bien. Tu peux le jouer juste pour gagner une énergie, quoi. Et ça nous permettra le tour d'après de faire un impact. Euh, fracas crâne. Mmh. Pas piqué. Ouais, on peut. On pourra tuer ça normalement. Il n'active pas. Oh putain. Elle ah, nous défonce cette engeance à chaque fois. Hein. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux héros ou pas encore non, non, pas, pas encore. Par contre, là, je peux tuer cette engeance. Est-ce qu'on a bien le choix Je crois pas. Hein. Je dois dépenser une énergie, mais tant pis. Ouais, je crois qu'on est au point où euh, faut y aller. Hein. Ouais ça fait pas plaisir mais surtout que ça ça devait, on le tue plus avec euh, fureur des dieux maintenant Avec fureur des dieux ouais non, Mais les mecs sont pas qui nous défoncent en vrai hein. Il est tellement puissant enfin il fait que des créatures tout le temps là. Ouais bon oh, Quel enfer oh, Moi j'ai joué mono noir ça se passait pas comme ça hein. C'était ouais, vraiment euh, très très mou oh, J'ai joué aussi euh... C'était pas Ça faisait pas ses sorties là non, non, non. J'ai, testé. C'est un des premiers decks qu'on a testé en live et c'était un peu, un peu moyen, quoi. Mais bon, lui ouais. est très, très fort. Ouais, il a fait la bonne sortie. Hein. Ah, il a, il a, il a la, la sortie parfaite. Et pourtant, j'avais, je crois, la même liste que lui. Hein. Oui, j'étais en train de me dire, je crois que j'ai joué exactement la même carte hein, dans mon bac. Hein, donc, euh... ouais, ouais, pareil. Ah oh, bah ça arrive. Hein. Il y a un peu les gods sortis quoi. Ouais. Bah il l'a deux fois, quoi. Ça qui est un peu triste. Ouais. Et nous on a pas Eu de d'énergie pour faire Marvel, quoi. Non, mais même on n'a pas eu nos cartes de temporisation, tu vois. Tu peux avoir des gredins, dont des Rogue Refiner pour tenir. Tu as un bloquant, du coup, qui t'a fait pêcher une carte et prendre de mmh. l'énergie. Il enfin, y a plein de trucs qui, euh, qui mettent bien en vrai. Thiago. top 67. Tiago, je sais pas si c'est pas un joueur pro, vous me direz dans les commentaires. C'est bien possible. Oh, c'est bien regarder ça. ça hein. oh, c'est super ça. Ouais, ça va manquer d'un rouge, mais. ben bah, je vais le chercher. Ouais, ça va manquer d'un deuxième, du coup. Mais vas-y, c'est go. Et je vais le piocher. Ok, mono-raid. Mono-raid, j'ai plutôt pas mal gagné en moyenne. Mais. Mais c'est très close. Il était là, mon mana rouge, tu vois. Je t'avais dit que j'allais le piocher. Va falloir tuer directement ce voleur parce que sinon, il est trop chiant. Ouais, je le tue maintenant. Ouais. Et là en vrai le plan de jeu Nissa Uro il suffit. Hein. mono raid tu gagnes pas forcément avec Marvel. Ouais. Marvel. -well. Marvelu. -well ça a l'air d'être un bon jeu d'ailleurs ce mono raid hein. Ouf. Oh nice ça, tu peux Uro dans... Dans je setup, une chandra le tour d'après. C'est bien ça. Ouais. Ah, tu peux même setup une Nissa en fait. Vas-y, hein, joue le terrain de prédilection. A chaque fois, ça me fait bizarre quand je sélectionne un mais que ça s'arrête pas. J'ai l'impression que je peux mettre plusieurs landes en jeu. Par contre, euh, c'est quand même vachement vénère Azoret. Hein. Là, ça va, il a encore trois cartes en main. Tour d'après, ouais. Ah! Bah attends, là, tu, tu peux Nissa le tour d'après, tu peux directement pompe. Je fais Nissa pompe? Euh, si tu fais Nissa pompe, non, parce que tu perds ta Nissa, mais... Mais si jamais tu... ta... ta Nissa reste en vie, tu peux faire casse-tête pompe, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ah ouais, largement. Bah du coup, là, fais juste Nissa, je mets un bloquant. Ouais. Enfin, je pense, hein, je vois, je vois pas trop d'autres plans de jeu, vu que c'est en Nazareth, tu peux pas la tuer avec ta Chandra. Là, tu débloques une forêt. Il peut bloquer ou pas euh, ne peut ni attaquer ni bloquer, à moins que vous venez. Ouais, non, je peux mettre trois bah, points. On va le bourrer du coup. Et là, la question, c'est est-ce que tu veux casse-tête ou pas Bah, si je casse-tête si tu fais casse -tête, qui me même tue, Nissa. Si, si tu ça. T as t ça, as ta pompe qui est active. Euh. Ah Ah, bah oui, alors. Ouais, c'est un plan de jeu Est-ce qu'on est obligé de l'être Ouais, c'est vrai qu'on peut trouver de la merde. En fait, le problème, c'est si la frappe foudroyante sur ta forêt qui bourre ta Nissa, t'as perdu forêt et Nissa, t'as pas le casse-tête et tu fais pas la pompe. Ouais, j'ai perdu la game. Non, je crois que je joue casse-tête. Ok, vas-y, casse-tête, ça marche. C'est -ce notre backup, ça me va. Là, il est pas non plus très à l'aise euh, pour gérer la Nissa. Hein. Non, et puis ça nous fait éponger des points. Non, mais je pense que t'as raison. Il f... Déjà, tu protèges ton land en plus en l'engageant parce qu'il pas... aura pas besoin de le blaster pour aller tuer la Nissa. Mm. Et ça nous met bien derrière donc. Et si peu il arrive même pas à la tuer en fait, s'il a pas de quoi... Ouais, il a fait à zéro pour aller chercher Anissa. Bah ça ça nous va très bien. Il s'est un peu mis à poil là. Ouais. Ok bah pompe hein. Et zou. J'active de suite. Bah le moque, c'est bien non JJ wild play. Ouais bah ouais vas-y. On <laughs> va juste l'éclater voilà. en fait. J'ai l'impression qu'on vous propose un jeu de junk alors que c'est pas de junk du <laughs> tout. Hein. J'avoue. Alors contre lui, bah tu veux fureur des dieux fissuration et, et je crois que c'est tout. Ouais c'est tout. Et de génie ça dégage. Ouais. Chandra sur la draw Chandra qui est même qu pas incroyable. Ah ouais. Ça met quatre hein, quand même. Ouais mais c'est sur la draw tu vois les plains soccer quand tu commences pas c'est toujours un peu moelleux dans okay. les plans de... contre les plans de jeu agressifs. J'en cut une ou deux. À 2-2, en franchement. Oh, deux. Une Nissa peut-être. Enlever une Nissa aussi, ouais. Mmh. Ils sont durs les cuts à faire. Hein. Bah ouais, t'as un pack. Euh... Lui, possible. il va nous rentrer le nouvel enchantement pour deux l'espèce de vortex qui empêche de gagner des pèves et qui fait que si tu castes des cartes euh, dont t'as pas payé le coup, tu prends 5. Donc il faut jouer des flétrissures contre lui. Faut que tu mettes la flétrissure on peut enlever une fissuration du coup. Ouais. Parce que cet enchantement là, il est juste insane. Bon, on enlève les virtuoses, c'est un peu nul. Hein. Les deux virtuoses voltigeuses là. Ok. Bah, ça fait... plus Je de crois que ça, board, okay. ça va dégager. Bah, ça fait plus d'énergie, hein. quand même. Ça fait plus d'énergie, mais ça ne fait pas avancer dans ton deck. Enfin, tu vois, je trouve okay. que c'est pas le power level de l'historique. C'est qui hein. Pas mal ça. Ouais, c'est kipe. Oh, tu vas lander un pack plutôt taper, hein. Non euh, Oui, oui, tu as raison. Ok, le voleur. Robber. Ça, il va pas la caster de suite. C'est bien de piocher Huguin dans Ulamog. C'est vraiment le, les problèmes de ce jeu, par contre. Hein. Je suis direct. Ouais, ouais, carrément. carrément je sais pas ce que, que je voulais des glisses s'il y a des, des tricks ou quoi, des buffs. Je crois pas, mais. Non, non, non. Ah, mais il est bon. Non, mais ils sont chiants. Voilà, sache-le. Ah, bah ça non plus. Ah, bah les deux. Il y en avait une de chaque. Bah écoute Refiner ça bloque hein. Ouais. à ah, quoi que tu peux land tap et fissuration si tu préfères Ouais je crois que je préfère faire ça ouais Ok J'ai encore un de mes voisins qui tape Il tape il tape il tape, il tape depuis ce matin à 9h et depuis des ouais. jours et des jours J'entends rien Je sais moi. pas ce qu'il tape mais il tape fort quoi Il veut rentrer chez toi Laissez-moi rentrer Ouais ça c'est trop chiant typiquement Ouf. Voilà, là tu vas pouvoir Rogue Refiner, Gredin Raffineur, pardon. Euh, je peux Harmonie, euh, Landre, Gredin. Oui, bah les deux sens sont pareils, non Ah, et ça te permet d'être sûr d'avoir un Landre détapé sans euh, prendre de Je de, prends de pas PV. de P ouais. Ok. Ouais, bah c'est bien. Je vais chercher un vert ou un bleu. Plutôt un vert. Oh, il a un contre. Il a voulu interagir oh. sur la pile. Hein. Je sais pas si t'as vu. Et il peut répondre euh, avec son truc. Donc déjà 4 énergies. Et là, si tu ta pompe, c'est 5 PV hein, que tu prends. Ouais. Ah c'est pas gratuit. Donc euh, faut, faut qu'elle soit bonne, cette pompe. Faut qu'elle pompe bien. Eh ouais. Ça c'est une super carte hein, pour Mono Red, hein. Elle est insane. Mmh. Bon là tu vas l'air maîtriser son truc, non? Tu l'as pas fait. Ah tu pouvais pas fin de tour, pardon. Non, j'avais pas de mana. Bah ouais, hein, sinon je vais prendre Cher donc. Euh... Euh, attends, il At... se passe quoi si jamais tu décides ça, de pas engagé. le tuer de faire pompe le tour d'après Parce que si je fais pompe là, je prends 4, je passe à 8. Je prends 1 ping, je passe à 7. Euh, je fais éclair maîtriser sur sa bête, même si je le tue pas. Euh, je prends 2, donc je suis à 5. Ouais, mais ça tu le feras le tour d'après. donc. Euh... Et je prends 5 avec ça Non, si je tue pas. Euh... En fait là, je suis bon, trop après, bas tu, déjà. Tu tu. tu vas-y, t'as raison. Ouais, je suis dans la sauce déjà. Franchement il est trop... Cette carte là elle est elle est trop trop chiante, elle est trop bien pour mon oreille. Mmh. Mec, tu lis cette carte, ça règle tous les problèmes qu'on avait en standard depuis des mois. Ouais, bah on retrouve le spot qu'on a dit plusieurs fois, hein, la solution qui arrive bien trop tard après trop le problème. Bah, tu fais fire de l'invention Vras, euh... Ah ok, bah j'ai pris 5. Bah écoute c'est merveilleux euh, voilà. Sachant que là si tu fais un coup de pompe tu passes à deux okay. Qui est assez bas Ouais Bah faut que tu trouves la Mog et tu seras à 1 donc à portée de tous les blasts Enfin je pense qu'elle est perdue cette game à moins que tu trouves un, un Euro Et non euro te fait même pas gagner de PEV C'est écrasant euh, Vortex C'est bon, je peux plus activer Ouais il avait un autre, il avait un autre plan de toute façon oui. Merci. GG. Oh, on était à un land du Hugin. Fuck. Moi, j'en pars comme ça. Il faut toucher cette sûr. Ouais, je réfléchis si on veut faire autrement. Non, le problème, c'est que t'es obligé de laisser des cartes un peu puissantes pour que ta Marvel elle soit intéressante. Ouais. Donc, euh, ok. Ouais, ça ira mieux la... en commençant la partie, en tout cas. On a eu deux cartes mortes parce qu'on veut les trouver sur Marvel. Peut-être qu'un effet de de discard ou de mélange à la bibliothèque serait pas mal. On peut justement éviter ces roue morte. Ouais, faut trouver la place quand même. Hein. Oh là là, ça c'est dégueulasse. C'est bien. C'est bien. bien, mais tu vois, on a des fureurs des dieux. Enfin, on a quand même des trucs un peu vénères à rentrer. Hein. Tu peux enlever ton passage merveilleux là, je pense plutôt. Ok. Oh, il est en mouligane. Oh. Ah non, mais je voulais le garder parce que c'était ma deuxième source de rouge. Ah. Ah ouais, effectivement. C'est ça qu'il fallait virer, ouais. Je, je me suis loupé. Euh, ouais, c'était peut-être ça qu'il fallait virer, t'as raison. Bon, tu peux fissurer ça. Ah non, mais non. Ah putain, c'est chiant. Est-ce qu'on veut fissurer en espérant avoir le, le. Le rouge ou pas Non, de toute façon. façon tu peux je peux passer et voir ce qu'il te propose. Ouais, je peux. Je peux au oh, ton prochain. Donc... Ok. Beau mat, ça va. Voilà, tu peux prendre deux. C'est pas, euh, pas la fin du monde. Ouais. ouais. Ah ouais, merde, c'est de la merde en fait. On peut trouver le rouge après. Il a une cage. Donc là, tu fais dit. forêt, euro. tap, ok. Je vais jouer gratos. Ah je suis deck parce que si on la perd c'est à cause de mon... Euh... Ah j'ai pas capté euh, le coup. Ah parce euh, que on là on le, on le défonce, hein. Genre il est mort. Il peut même pas récupérer les cartes sous Beaumont de courrier. Okay. Tu peux décider de prendre 3 et, et avoir euh, fissuration, enfin éclair maîtrisé up, typiquement sur beau euh, Je crois que je vais prendre 3 mais je vais fissurer maintenant le beau Ouais, le baumat ou alors le voleur des riches. Non plutôt le baumat ouais. Non non pas, pas, pas fissuration, pas fissuration éclair. Ah je m'en veux, putain on aurait déjà gagné cette game ici. Attends, c'est pas fini. Aïe aïe aïe. Non, c'est pas fini mais c'est chaud quoi, on est en train de galérer pour rien. Là c'est très dur si la Zorette maintenant. Ah ils ont toujours tout. Hein. Ok, on prend 6. Allez c'est maintenant. Oh Le Land Rouge. Ah le Land Rouge qui est exilé. Ouais. Alors on peut encore gagner euh, pas mal de temps, notamment avec ça. Là on gagne 6 euh, pèves en tout. Ouais, je crois que tu, tu passes le tour et, et tu vois ce qui se passe. Hein. Encore plus de board. Ouf Ça fait combien ça 5, 6, Trop. 7, 8, 9, 10. Euh, pas avec les PF qu'on gagne, non. Ok. Mais est-ce que je tue ça ou pas Je crois qu'on est dans le spot où il faut absolument qu'on ait... On a perdu, on ait... Non, perdu parce que ça, ça va nous mettre 2 tous les tours et là on va être trop bas en fait. Même si je passe à 13, euh, à 5, Ah 6, tu peux Marvel 6. et Hugin. A pas perdu, perdu. Ah et c'est Marvel et ouais du coup. Ouais. Donc il me faut... Ah non il faut pas laisser. Ah mais énergies. non même pas, il faut, il faut que tu fissures fin de tour du coup là. Ah mais tu peux pas fissurer et gagner tes PV. Non, je crois que c'est perdu. Attends, vas-y, laisse-le attaquer. Vois comment il attaque, quoi. Il ouais, attaque avec tout. Euh, bah, faut gagner les hein, pèves, sinon on est mort. Six. Et ça suffira pas. Dommage. Ah cette montagne top des quais au dernier moment, ça fait mal. Ouais c'était un peu comme pour nous punir de d'avoir pris le, la mauvaise décision, mais c'est pas grave, ça arrive. On se refait une petite valeur Ah je suis chaud, vas-y vas-y. Oh, ah ouais, vas C'était pas une vraie game celle-là. Bah on l'a perdu au Mulligan donc. Euh... Oh, on aurait pu relancer de suite. Oh, attends je me suis trompé, je reviens. Ah je m'en veux quoi. Battle Sphere. Très beau, en je plus, sais pas comment on l'a eu ça. Game une, on leur fait des trucs de fou hein. Ouais mais c'est un deck de Gamune, je crois. Tu vois comme les decks midrange et deck qui gagnent 2-1, ça c'est un deck qui, 2 -1, ça, un deck qui, qui perd 1-2. C'est triste quand même. Eh ben, ça c'est nul. Ouais. Ça c'est pire. Ah non, il y a deux landes. Ah non, c'est pas mal ça. Il hein. y a deux landes, land, donc ça va. Ah non, c'est très bien même. Euh, Ugin se dégage. Bon, tape. Hein. Allez, lui, c'est le bon. Allez, on le rossle. Oh là là, il joue aura. C'est méchant aura. Allez, battle euh, casse-tête euh, du tisseur de bois. Si on trouve un land, on fait pompe active. Euh, ouais. Tour, euh, tour 4. Et on a deux draws pour trouver un land d'étape. Ça se va. Ça devrait pouvoir le faire. Bah, parfait. Marvelous. Donc là euh... tu peux faire virtuose de voltigeur en bloc si tu veux. En d'étape ou rogrief. En fait, tu peux faire ce que tu veux, je crois. Euh, Rogue Refiner, 3 4 5. Non. Il faut il faut que je fasse ça parce que là ça va me coûte une énergie. Ouais, ouais c OK. Donc virtuose. Tu peux aussi décider juste de pas mettre de créature mais je trouve que c'est mieux de mettre virtuose. Ouais, mettre un bloc c'est mieux. Hop là. Tain, et si c'était effectivement un deck de BO1. Ça existe hein Ils se font voir ouais, mais ils même. sont là. Une heal. Une heal bah, c'est un deck dont le plan de jeu en game 1 est puissant, mais, euh, mais où les, les cartes certaines cartes spécifiques dans le format le battent bien, quoi. Je crois que j'ai eu donner ma bête pour pas qu'il pioche. Ouais, complet. J'aimerais vraiment qu'il se le tape là maintenant. Parce que si la spell pierce peut te dire, je mange mon micro, gros. Gros, je bouffe tout. Ah, oh, parfait. Ah, ça va. Vas-y, donne tout. Donne tout, Battle y a pas de problème. De toute façon on est en game une vol donc forcément ça peut que bien se passer. C'est vrai ça a forcément gagné. Allez tiens mange ça. Tiens bouffe. Oh, on s'en fout. Pourquoi oh, il paye Pourquoi il paye Je ne sais pas. <laughs> Quoi Ok, pourquoi pas Allez, on y va Allez, vas-y. Allez on y Sans va. Nous, on n'en parle plus, je l'ai autre chose. En vrai, tu fais un montage, tu mets que les gamines de tous <laughs> nos matchs. Putain, ils ont gagné 3-0 le, leur match. C'est bizarre. Et le mec a changé de deck. Petite Nissa. Ouais, ça ça c'est bien. Ouais, ouais, ouais mais je suis bien. Bah c'est pas ce qu'on veut quand même, parce que là, on est quand même pas sorti d'Haricot. Ah quoi que non, ça va. Dès le tour d'après, tu peux, euh, tu peux réactiver Marvel, je crois. Si tu décides d'harmonier avec les terres maintenant, tu dois pouvoir activer Marvel. Ah non, 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 attends, parce qu'il va tuer Tanissa, lui, suis-je bête. Euh, bah ça, ça me donnait 4 énergies, ça, ça m'en donne 2, donc ouais, il faut que je fasse ça maintenant pour activer ton prochain. Attends, pourquoi est-ce que t'as euh, activé le terrain de prédilection là Euh, je sais pas, c'est parce que c'était une forêt, j'ai activé. Parce qu'il fallait, il, il fallait bloquer avec un terrain nul là pour protéger notre Nissa. Ah c'est pour pouvoir faire ça en fait. D'accord. Ouais bah je crois qu'on n'a pas le choix Et on espère qu'ils viennent pas tuer notre Nissa Là je si on veut pompe Pour le prochain faut que je fasse harmonie. Ouais mana. bah on veut pompe ouais, ouais carrément, carrément. J'aurais bien voulu avoir pompe et ma Nissa Euh comment on fallait faire En activant un terrain naze et, et en pas avec ce terrain naze Je pouvais comment pas harmonie. Bah du coup si je faisais ça ah je pouvais pas Non mais c'est pas grave et... mais le tour d'après du coup t'avais plus de mana parce que t'avais une forêt Ah ouais ouais euh, je cherche une forêt, une forêt je pense que Ah, j'ai dit, ah, dans... quel coup. Bon, après, s'il décide de faire un Power Rangers et d'aller tuer la l'Anissa, quelque part, ça nous va. Si on est sûr de pouvoir pomper le tour d'après. Ouais. Pour le Power Rangers, quoi. Le Megazord. Le Megazord! Il y a un deck en ce moment à DB Super Card Game qui s'appelle Soul Striker Power Rangers. Ah ouais? Et ça me fait, ça me fait rêver. Voilà, je te le dis. Et pourquoi ça s'appelle Power Rangers? Parce que ça ressemble à un truc. Ouais, parce que c'est des, 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 des espèces de cartes qui évoluent les unes avec les autres. C'est dans Dragon Ball Super, dans Dragon Ball Super pardon, au tournoi du pouvoir, l'univers 3, il y a une espèce de mec qui ressemble à un Power Rangers. D'accord. Et, et ça joue avec ces mecs-là, avec cette mécanique-là. Oh, Hero, ça marche oh. bien aussi. Nice. Eh bah ben, vas-y, craque le, le truc et, et let's go. Hein. La pompe. Et où Allez, pompe-y un peu. Mais voilà. Ça qu'on veut, nous. Lui. Et ça. <laughs> Allez, hop, poubelle. Ah J'aurais pu <laughs> lui exiler son truc qui peut rejouer au cimetière aussi. On bat couilles. Hein. Ah bah quand tu joues il Ilamog, typiquement t'es vraiment dans le spot où tu t'en les couilles. Oh. Game 1. J'adore. Attention, les deux dernières games vont très mal se passer. Les deux, les deux dernières vont vous étonner. Bon, ça déjà je le rentre. Ouais, fissuration aussi parce qu'il va probablement nous jouer des cages. Et ça, je crois que si on joue pas curvé, ça sert à rien. Non, ouais, je pense qu'il faut pas grand pas aux choses. faut enlever lueur de génie. En fait, tous les match où Marvel est trop bien, euh, oui. et donc les lueurs de génie et compagnie sont trop bien, donc les Sultai et compagnie, les deck control, on les affronte pas. Donc, euh, poubelle. Yes. Chandra, c'est naze contre lui Ouais, complet. Voilà, Est-ce qu'on veut parfait. des negates ou pas Non, je pense pas. Oh, on ne veut pas de Negate. Je te dis, celle-là, tu sais comment on la gagne on va mettre Nissa, elle va survivre et on va casser un Huguin ou un Ulamog à la main. Ah, mais j'adore, c'est mes préférées, celle-là. C'est celle où on a été des filous. C'est mes prefs. J'ai fait des games contre des packs contrôle qui contreraient tout ce que je faisais. Vraiment, je j'arrivais jamais à passer. Ça, c'est Mulligan non bah, J'ai Antibet, tour 2, hein, sur son truc. Ouais, mais t'as pas de mana. J'ai deux landes. Il commence. Ouais, vas-y, ok, pourquoi pas Ça me va tu vas chercher une île et on, on joue combien de monde. land et du coup le mec ouais contrôle joue ses cartes il tient tout ce que je fais et au bout d'un moment je fais ok dimana il a mog donc le mec euh, bah, déjà il exile deux cartes généralement deux terrains parce que c'était pas contrôle ils ont pas trop de board ouais. il arrive à jouer la mog je sais plus pour quelle raison je fais ok pour dimana il a mog et en fait la game se résout comme ça <laughs> Ça, est... Ben, ouais. lui, il peut rien faire en fait, il y a Dimana Ulamog, quoi qu'il se passe. Alors c'est marrant, je garde la main, je te dis j'ai une interaction, et lui il a protection-protection contre.. <rire> <rire> Saloperie. Bah pète le... la sirène déjà. Enfin essaye du coup. Mmh, ouais j'y vais là. Ouais je pense. Hein. J'avoue euh, en plus on n'a pas rentré Fureur des dieux alors que là on l'aurait éclaté. Mmh. Je vais péter le chien du coup. Il doit sacrifier ouais. en réponse donc je vais juste garder mes trois énergies C'est ça qui est trop bien Mais oui voilà et c'est mieux parce que si tu visais le chien Tu faisais pas tes énergies Zoup Pour deux, sacrifier le chien ciblé Gagner 3 énergies Bah écoute on prend hein. Déjà ça, ça dégage Il peut Tout protéger les enchantements faire, ouais. avec alcéide. Quelle saloperie Donc là je peux pas péter ça Bon, on s'en fout je pense. Oui, mais imagine. On a, on a un autre plan, tu vois. Euro. On fait Euro dans Nissa ici, c'est mieux Ah oui, je pense. Hein. Bah virtuose ça fait rien. Et si ça bloque, face. avec tes énergies tu fais des 1-1 vol. J'écoute pas, voilà. Non non mais c'est vraiment bien par contre, hein, contre lui, c'est pas c'est pas mal. Genre typiquement là, ça sert à don de tempête, on aurait pu te bloquer euh, une fois. Chimp bloque. On aurait pu même double bloc. le bloquer. Et... Oui, c'est vrai. Bon, là, il va. Ah, enfin, mais là, il va faire un méga là, ça y ah. est. parti en couille. Il méga pas. Ah ouais Il a un plan de jeu contrôle. Ah bah, ça tombe bien, c'est nos préférés. Tu vois, le plan de jeu est drôle et puissant, mais un truc qui va pas dans ces listes Témur Énergie Ouais, je suis d'accord. Et je sais pas ce que c'est. Il faut fluidifier ça. <laughs> Pourtant, euro, ça fluidifie bien. Ouais, hein. ah, c'est peut-être euro le problème. Ah bah non, c'est la solution. Ok. Bon, je fais du Cherchez quoi, rien encore. Ouais, tu prends ce que tu veux de toute façon. Avec là, on va prendre du vert. Avec l'autre, on va prendre du bleu. Donc on a plus besoin des doubles rouges. Oh. Ah ouais, mais il va avoir une interaction pour la protéger. Non, bah fais plutôt ici. Tu fais Nissa ça. Tu vas chercher un bleu. Et tu, tu débloques il... euh, non la le ouais comme ça tu peux garder éclair fin de tour yes. éclair ou même flétrissure en fait genre avec Alcide il peut protéger une perspicacité ouais ok ah c'est une c bonne chance. bon écoute au moins t'es prêt euh, T'es à l'affût de euh, s'il utilise son mana my body is ready allez battle sphere là on a perdu des, des rangs, 700, 700 places quand même. Ça va très très vite. En deux matchs. Et moi je me maintiens depuis, euh, depuis des jours et des jours et, et cette vidéo vient Vient gâcher la fête. Vient tout fou tout le camp quoi. Ça lui donne le vol, c'est ça Ça lui donne plus 1, plus 1. Enfin plus 3, plus 3 et le vol du coup. Est-ce que c'est pas le moment Si on fait ça, il va sacrifier son Alcéide et du coup après il a plus de mana. C'est ça l'idée Ouais. Ouais, je crois. Hein. J'en suis même pas persuadé. tu vois. J'ai pas beaucoup de, de conviction là. Je le tente. Et ça me permettra peut-être de flétrir sur ton prochain du coup. Ouais. Ouais, c'est vrai s'il a pas de land. Ce, ce, ce à quoi je doute. Et encore une fois, je vais juste gagner 3 énergies ici. Et ça, c'est très bien. Parce que tu peux piocher une petite Marvel ici. Tu peux aussi piocher un petit Ulamog. On met fin directement à la game. Hein il te laisse payer et il va sacrifier en réponse, il est malin. Ça marche Ah, je crois oui. Bah, du coup, je paye les deux quand même. Je crois pas hein. Bah sinon il sacrifie pas et on a juste balancé un spell pour rien. Ouais, mais si tu as si tu Ah ouais, mais si tu peux trouver la mog, donc ça va, OK, vas-y. Ah, ah, bah non, il peut non, pas. Non, il pensait nous trixer du coup, ça marche pas. Bah, du coup, il pioche chaque carte et, euh, et je suis bien content. Et Nissa nice de grande de là, là il vient de se planter, hein. je pense qu'il voulait te trixer. Il s'est dit ah je me suis fait avoir tout à l'heure euh, ça marchera pas là. <laughs> pas deux fois. Pas si. Deux fois. Euh, si si deux fois. Ah, oh, mais trouve trouve un Ulamog là sur le dessus du pack. Chauffe le lotus. Ouvre le lotus, fais tout ce qu'il faut. Ah J'ai envie tu de flétrir sur faire perspicacité. Euh, Virtual. Ouais, mais je peux flétrir sur ça. Il sacrifie, je, je bute. Ah, vas-y, let's go. Oh, C'est mon plan de jeu préfère ça. Et s'il si me laisse la casser discussion. ça, euh, je m'en fous. Allez, t'en meurs d'envie là. Ah oh mais attends je peux, euh, je peux hero là après Ouais ah non mais là on est bien en fait Comme des coques en pâte Alors on vous le disait que c'était un bon jeu en fait Pas du tout Allez éclair, éclair maîtrise moi ça là Ouais je peux faire une phase d'attaque le faire après Euh est-ce que Il y a un intérêt Tu peux faire une phase d'attaque Et le faire après je crois ouais Oui c'est vrai Donc là tu peux Attends attends attends. Il faut d'abord Ah oui non, tu veux d'abord huro détaper ouais, ça marche. Mmh. Oh, quelle grandiose nouvelle. Bon, on est juste en train de le détruire là. Ça y est, je crois qu'on gagne notre match, notre deuxième match. Ça ça me fait Attention, plaisir Attention, c'est pas tu fini. Vois. Il a 26. Ça es. c'est mon poulain ça. OK. Alors d'étape euh, un terrain. On euh, porte. une île. Ouais. au hasard propose lui une phase de bourre comme on dit par chez moi allez là c'est 6 points qui arrivent chez toi et là on va lui dire euh, ciao ciao la sirène zou et il a peut-être encore un effet de protection il peut avoir des caramétras blessing des trucs comme ça mais mais on aura tout donné nous il y avait caramatras blessing. 1, 2, 3, 4. Je crois que je garde ça pour piocher. Je le joue pas en land. Euh, pourquoi on a combien de mana avec cette. Euh... 1, 2, Parce qu'attention là, notre 6, 6, Nissa elle 6, est pas sûre de, de, sûr 7... de survivre. Hein. Bah il est 2-2, son truc. je ferais plutôt restauration ça... quand même. En land Ouais. Ça nous avance à quoi d'avoir un land de plus Bah si on n'a pas Nissa, ça sera pertinent. Parce qu'on a encore 5 landes, là. Ouais, je sais bien. Il vaut mieux land Bah si je t'écoute, s'il faut. Bah je me dis que si on perd ça, on sera content d'avoir 6 landes plutôt que 5 landes, notamment parce qu'on a 2 drop 3 dans la main. Euh... Mais je peux le lander au tour prochain au pire. Parce que si tu nis ça, il m'aura oui. pas attaqué. Ok, vas-y. Je pense que c'est pas décollant de garder. En fait ce que je me dis c'est que dans tous les cas moi le tour prochain j'ai pas envie de restauration. Et en plus t'as pas les 3 manables pour. Donc il faudra prendre ton mana et le faire avant la phase d'attaque. Hmm. Ouais. Donc je l'aurais posé en lande pour juste avancer dans, <laughs> euh, dans le plan de jeu. Pourquoi il va piocher de euh... la carte là. Il commence à mégazorder quoi. Oui, il mégazorde à fond le gars. Ah ouais. The world. Oh. Allez, prends euh, l'urus en main, qu'on rigole, juste pour voir. Oh, l'Ornithopter. Nul. L'Ornithopter ouais. On s'en bat les Excusez-moi, je suis mal poli. Non, ah, mais tu, tu établis juste un fait. Hein. Ah, encore une protection, j'ai eu peur de pouvoir gérer la sirène. Bon, sinon, il y a des, euh, des Marvel là-dedans ou pas, là Ouais, bon, ou même un Nulamog. Hein. Mog, Huguine, enfin, tout de... quoi. Écoute, fais-y une phase d'attaque, on voit après. Je peux jouer ça déjà Ouais détapé. je tapé ouais, une forêt, ouais, et zou. Crois j'y vais là ah, parce qu'en vrai, là, tu le défonces juste sur le bord, non? Ouais, il est pas trop trop bien là. Hein. Après, nous, on n'est pas trop trop bien non plus. mais pas trop trop mal. Ah, tu peux, tu pourras jouer virtuose et commencer à avoir des, des bloqueurs un peu récursifs. Ouais. Et ça c'est très très bien. Ah ouais, bah joue virtuose, ça nous met trop bien. Et ça paye vachement bien d'ailleurs. Bon, quoique quoi que c'est pas très grave en vrai, ouais, il va pas attaquer ai... avec le reste de son bord. Prends pas d'énergie plutôt. J'ai pas je trop le choix. Pas ouais, pas en fait, c'est ça. Et là, tu peux, tu peux aussi harmonie dans une dans une île. On a, je sais pas s'il y a une troisième île dans la dans la non, vie, je je vais liste. Harmonie d'abord, du coup j'ai perdu du oh. mana là. C'est pas grave. Pourquoi tu as perdu du mana euh, Parce que je vais avoir un mana vert que j'aurais ah, pu oui, utiliser pour Ah oui, tu pu utiliser chose. un, ouais. Bah, du vert. Hmm. Mais tu peux lander. Hein. Fin de tour. En fait, C'est que ça se discute de ouf. Hein. Non, en fin de tour, tu pourras prendre toutes tes, toutes tes forêts. Le tour d'après, bah, j'en ai plus. Ah si, si si, j'ai les, si, les bilans, ouais. Non non, vas-y passe. Ouais. Il a décidé d'ignorer, mais maintenant elle est à l'ulti et on peut la protéger, donc euh... c'est lui qui est dans la S. Ouais, donc poubelle. Ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est en fait ce qui fait que ce jeu serait vraiment un bon jeu du format, c'est s'il est capable de gagner sans Marvel et il en est un peu capable, mais c'est pas encore assez, je trouve. Ouais. J'en compte mon noir, par exemple, il est pas capable du tout. Ouais, contre mono rouge, c'est nous qui faisons une erreur. Normalement, on doit la gagner, donc ça va en fait. Mmh. Donc si vous voyez euh, un deck monocolore en face, faites gaffe. Ouais, c'est euh, ce deck qu'il aime pas. Si il joue des engences du chaos, pareil. Faites attention. Après, franchement, c'est un malotru. Excuse-moi de te le dire. Ah, il a été euh, très malotru, ouais. Il a été maloutrancier Mais d'accord. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Ah, il aurait pu bloquer les pour le rejouer avec l'urus gratuitement. Non, mais ça sous-entend jouer l'urus. Il y en a peut-être pas envie là. Euh, ouais. Non, mais ce qu'il avait prévu au tour précédent de. Oh, il fait R. Oh, il est dans la sauce. Hop, oh, sacrifie. Mais qu'est-ce qu qu'il fait Il aurait dû juste attaquer avec Arnito. Mais complet. Ah, attends, parce que moi je peux en faire 4 bêtes là et. Eh ouais. Ah ouais, non mais, je mais il, est juste le saucer, là. il est foutu. Il est foutu. Oh on l'a juste éclaté en fait. tu t'as gagné tellement de rang mec je crois que tu viens de passer parmi les meilleurs joueurs mondiaux avec cet elo de dingue. <laughs> C'est vraiment une game de dingue mec on a pimpé ton deck. Une heure de vidéo ça régale. Que des games 1 de plaisir et une game 2 incroyable. Qu'elle sera dans l'histoire peut-être ou peut-être pas. Ah, bah la dernière game est fantastique parce on, oh. on, on, elle est conclue euh, par une victoire. Donc, c'est la, la meilleure game. Ah, je pense que c'est la, la meilleure deck. game. Quoi. Si vous avez Donc, trop voilà. de mythiques, craftez ça en masse, c'est juste imbattable, à part contre <laughs> Mono Noir et contre Mono Rouge, ça dépend, attention. Mais franchement, euh, easy win, tout le reste du field. En vrai, c'est un bon deck qui demande d'être un peu affiné, je pense. Exact, du fine tuning, comme on dit. Fine tuning. Plus de commentaires, partage, abonnement, comme d'habitude, réseaux sociaux dans la description, Twitter, Facebook, Discord avec notre chaîne Twitch Valpeil Magic FR. et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie.